Salut à tous, c'est les Dr Geek. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers légendaire de Super Mario 64 pour découvrir un secret mystérieux qui a fasciné les joueurs depuis des décennies. Les secrets cachés du château de Peach. Qu'est-ce que le château cache réellement? Pourquoi y a-t-il tant de rumeurs autour de ces pièces? Et surtout, pourquoi Mario est-il toujours si joyeux? Restez avec nous pour le découvrir. Oui, le château de Peach, ce lieu emblématique où même les murs semblent avoir des oreilles et des passages secrets. Alors mettez vos casquettes, ajustez vos salopettes et préparez-vous à sauter dans l'inconnu parce qu'on va explorer chaque recoin de ce château légendaire. Oh shit, here we go again. Commençons par les bases. Le château de Peach, c'est le premier lieu que vous explorez dans Super Mario 64. Un endroit apparemment paisible où les Toads vous accueillent avec le sourire, mais qui cache bien des secrets. Les joueurs ont passé des heures à sauter, nager et même voler à travers ces couloirs à la recherche de chaque étoile cachée. Mais entre nous, qui aurait cru que sous cette façade charmante, le château de Peach serait un véritable labyrinthe rempli de pièges et de mystères? Sérieusement, c'est quoi cette obsession avec les tableaux qui vous téléportent dans des mondes parallèles? Plongeons dans les théories les plus folles du web. L'une des plus populaires est celle du plafond secret dans la salle de la cour intérieure. Certains disent que si vous regardez ce plafond sous un certain angle, vous pourriez voir un message caché des développeurs. Mais alors, pourquoi personne n'a réussi à le prouver? Certains affirment même que le château est en réalité un vaisseau spatial déguisé, prêt à s'envoler à tout moment. Si seulement Mario pouvait obtenir une étoile pour cette imagination débordante? Voyons maintenant les pièces cachées et les passages secrets. Dans le château de Peach, il y a plus de coins secrets que dans un épisode de Scooby-Doo. Qui n'a jamais paniqué en découvrant le fameux couloir inondé de la pièce des aquariums ou le mystérieux monde derrière le miroir dans la salle des étoiles? Et que dire de ces escaliers infinis? Sérieusement, combien d'entre vous ont couru en pensant qu'ils allaient quelque part pour finalement réaliser que Bowser se moque bien de nous tous? Ah, les glitchs. Ces petits bugs qui rendent nos parties si imprévisibles. Qui aurait cru que sauter en arrière sur un escalier pourrait vous propulser à travers les murs? Ou que nager dans un coin précis pourrait vous téléporter dans une autre dimension? Sans oublier les easter eggs, comme la fameuse sculpture de Yoshi sur le toit du château. Certains joueurs ont même rapporté avoir vu Luigi quelque part dans le château. Peut-être que c'est juste une hallucination due à trop de champignons. Donne-nous ton avis en commentaire sur la question. Le château de Peach a eu un impact énorme sur la série des jeux Mario et continue de fasciner les joueurs de toute génération. Que ce soit dans Super Mario Galaxy, Super Mario Odyssey ou même Mario Kart, le château reste un symbole emblématique de l'aventure et du mystère. Et c'est là que vous réalisez que ce lieu, apparemment simple et innocent, est en réalité un véritable trésor de secrets et d'histoires à découvrir. Ou juste un endroit où Peach se fait kidnapper encore et encore. Un petit bonus pour la fin! Saviez-vous que certains joueurs ont tellement exploré le château qu'ils ont inventé des challenges comme terminer le jeu sans utiliser les portes ou trouver toutes les pièces secrètes en moins d'une heure? Oui, les fans de Mario ne manquent pas de créativité. Regardez, ce joueur il essaie de finir le jeu en ne sautant qu'à l'envers. Si seulement Mario pouvait obtenir des étoiles pour ses acrobaties. Alors le château de Peach, simple demeure royale ou centre d'un mystère plus grand? Une chose est sûre, il a capturé l'imagination des joueurs depuis des années et continue de le faire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur vos propres découvertes dans le château. Et surtout, continuez à explorer et à découvrir de nouveaux secrets dans le monde merveilleux de Mario. Ciao. Here we go!